Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette rencontre de la communauté de partage en conscience pédagogique. Et le thème de ce jour sera la communication efficace, outils et pratiques. Nous vous invitons à vous joindre à nous aussi dans le document collaboratif dont le lien est présent au haut de la zone de clavardage. À l'intérieur de celui-ci, vous allez retrouver là, des traces de l'atelier d'aujourd'hui. Vous pouvez écrire aussi votre nom et vos coordonnées pour qu'on puisse savoir, garder une trace des personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Proposition d'ordre du jour pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc, après l'accueil, on va résumer brièvement ce dont il a été question lors de la dernière rencontre. Va s'en suivre un partage et en conclusion, des informations quant à la prochaine rencontre. Donc, bref résumé de la rencontre, de la dernière rencontre de la communauté de conscience pédagogique. Il a été question de la posture, rôle, tâche, attente, objectif du CP de ses collaborateurs, une manière d'y trouver l'équilibre. Il est possible d'accéder au résumé de la dernière rencontre sur le site des après-cours. Il y a notamment l'enregistrement ainsi que des marqueurs de temps. Qui vous permettent d'accéder aux différents moments de l'enregistrement pour les sujets suivants, donc la difficulté de rencontre en présence, l'éparpillement des tâches d'un grand nombre de dossiers, la planification de temps personnel, l'établissement des priorités. Il y a eu un partage d'outils de consignation de temps. On a discuté autour également d'un texte qui portait sur les conseillers et conseillères pédagogiques, les fonctions, rôles, défis et positions. Du conseil pédagogique, conseillère pédagogique, le sentiment d'efficacité professionnelle chez les enseignants, l'apport et les besoins des CP, les outils de consignation de temps présentés par Claudine, Microsoft Planner et un article de Radio-Canada sur le raccrochage. Également, depuis notre dernière rencontre, il y a eu la rencontre des RSP à l'Hôtel Pure les 25 et 26 janvier. Dans le document collaboratif, il y a un hyperlien qui vous mène au document des ateliers là, de la dernière rencontre des RSP. Il y a eu beaucoup de partage. C'est à consulter une grande recherche ce qui se trouve dans ces documents-là. Donc, je rappelle le thème de ce jour. Oups, pardon. Le thème du jour étant communication efficace, outils et pratiques. Nous serions rendus déjà au partage hein, de ce que nous pensons au sujet des communications. Donc, nous vous proposions un sondage. Nous proposons un sondage, quelques questions. D'abord, une première question, la communication représente-t-elle un défi dans votre pratique? À savoir, est-ce que oui ou non, cela représente un défi pour vous? Donc, on peut commencer à faire un retour sur les différentes questions. On avait posé la question, la communication représente-t-elle un défi dans votre pratique? À 60%, les gens ont répondu oui. À 20%, les gens ont répondu non. Peut-être que quelqu'un voudrait apporter une nuance à sa réponse, qu'il y aurait eu un oui qui pourrait être un non selon la situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à répondre, à prendre la parole. Parce que là, ce que l'on cherche à faire, Michel et moi, c'est évidemment vous amener à prendre la parole sur le sujet de la communication, puis nous expliquer un tout petit peu où se posent les défis et quelles sont, comme les questions l'orientaient, là, quels sont les outils que vous privilégiez, puis avec qui est-ce que vous pourriez peut-être chercher à améliorer la communication, là, parce qu'il y a des gens. Dépendamment de l'ampleur de votre tâche, de l'ampleur de la région, ben, pas région, vous n'êtes pas tous au niveau régional, mais il y a des fois des difficultés à rejoindre tous nos mondes parce qu'ils ne sont pas nécessairement autour de nous. Comment est-ce qu'on garde le suivi des accompagnements qu'on fait? Est-ce que ça se rend vraiment aux gens?
On cherche à voir avec vous là s'il y a des choses qui sont bien ancrées dans votre pratique, puis si on peut ensemble réfléchir à comment améliorer nos pratiques. Donc, à la question 1, comme je disais tout à l'heure, la communication représente un défi pour 60% des participants. Puis avec qui communiquez-vous? Donc, tout le personnel en éducation, les enseignants, les directions, beaucoup de monde, différentes directions, CP, autres professionnels, enseignants, élèves et grand public, enseignants, directions professionnelles. Et on a même quelqu'un qui nous a classé ça par ordre d'importance. Donc, encore une fois, les enseignants, les élèves, les parents et intervenants externes des élèves, direction adjointe, psychodirectrice, service de traitement de l'information, direction municipale, TS scolaire, finalement, les enseignants, les membres du personnel de soutien, les directions des élèves, membres de divers comités. Ce qui est intéressant, c'est qu'on constate qu'il y a une variété de genres de communication ou d'intentions sûrement, mais de catégories de personnes qu'on cherche à joindre. Et j'imagine qu'on ne cherche pas à les joindre tous de la même façon. On doit avoir des moyens qui sont variés pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Ça demande aux conseillers pédagogiques de maîtriser plusieurs façons de communiquer avec l'ensemble des gens avec lesquels on doit travailler, communiquer, échanger ou diffuser de l'information. Question 3. Quelles sont vos intentions de communication? Ah, les intentions. Claudine? Donc, pour la plupart, c'est sûr qu'il y a de l'accompagnement divers, effectivement. La transmission d'informations, convocation, partage, organisation. Donc, l'information, bon, informer, former, convaincre, expliquer, écouter. J'accroche beaucoup sur le écouter, ce qui veut dire que dans l'acte de communiquer, on doit aussi trouver une façon d'être à l'écoute des besoins des gens qui nous entourent. Les outils peuvent être aussi variés de ce côté-là. Et les intentions, comme on disait tout à l'heure, peuvent être très variées selon le récepteur. Donc, nous, on diffuse ou on veut aller chercher de l'information, mais on doit tenir compte de qui est à l'autre bout. On ne peut pas communiquer de la même façon avec tout le monde. Puis, lorsqu'on veut aller chercher de l'information et être à l'écoute, ça demande une réflexion et une planification de notre moyen de communication. Par rapport à vos intentions de communication, on a mis tout de suite après le moyen de communication que vous privilégiez. Michel, je te laisse prendre le bout des réponses. Donc, pour les rencontres, les communications téléphoniques, il y a des rencontres, pardon, des rencontres en personne, j'imagine, des communications téléphoniques et des courriels. Et comme on disait tout à l'heure, très variés selon le destinataire. Selon l'intention et selon le destinataire, sûrement que le moyen de communication va changer. En personne, le mode direct et le courriel. Courriel, la plupart du temps, les groupes Office 365. Donc, malgré la présence et la popularité et la promotion des outils technologiques, certaines rencontres sont parfois en personne. Il est privilégié de les faire ainsi. Mais il n'en demeure pas moins que certains outils de communication sont très pratiques, hein, que ce soit encore le bon vieux téléphone ou les courriels et les nouvelles fonctionnalités, là, les nouveaux outils numériques comme disons par exemple les groupes Office 365. Et finalement, que voudrez-vous améliorer dans vos communications? L'efficacité. Je me suis beaucoup amélioré depuis quelques années. Par contre, l'affirmation de soi demeure toujours un défi. Et les communications de groupe en via Skype ou Teams. La recherche de l'efficacité. Oui, recherche de l'efficacité, je trouve ça intéressant parce qu'on parle toujours de communication efficace. Hein, on cherche toujours à avoir le plus d'efficacité dans nos communications.
on a de plus en plus de moyens qui sont mis à notre disposition, mais qui demandent quand même un certain temps pour développer une aisance à l'utilisation. Je voyais tout à l'heure dans l'affirmation de soi demeure toujours un défi. C'est là que faut qu'on soit à l'aise avec les moyens de communication qu'on va utiliser. C'est pas nécessaire, je pense, de tout utiliser, de tout maîtriser, mais d'en maîtriser au moins un avec lequel on fait de la communication efficace, là, définitivement. Est-ce Tout à fait. que, suite à la complétion de ce sondage-là, est-ce qu'il y en a qui voudraient ajouter, en prenant la parole, pour expliquer quels sont les moyens qui sont les plus utilisés ou s'il y en a que vous aimeriez développer? Là, on a vu Office 365, les groupes et tout ça, ce sont de nouveaux moyens, les environnements numériques de travail. Ça fait une entrée, là, présentement, dans tous nos milieux. Il y a les environnements numériques d'apprentissage, mais les environnements numériques de travail nous accompagnent de plus en plus, nous sont présentés aussi comme étant des outils. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les utilisez? Alors oui, on utilise, puis on essaie d'inciter nos collègues, nos enseignants, les directions à mieux utiliser ce nouvel environnement numérique de travail qui est très prometteur et qui va nous permettre de gagner beaucoup en efficacité et en productivité. C'est un travail de longue Stéphane, haleine. oui, Stéphane, toi, je sais que tu utilises aussi beaucoup, en tout cas, pour diffuser de l'information, tu utilises aussi beaucoup les médias sociaux. Là. Twitter, ça fait partie de ta pratique encore. Tout à fait. Je m'étais donné comme mandat en 2008, quand j'ai commencé, quand je suis tombé dans Twitter, que je gazouillerais à tous les jours. Au moins une fois par jour, j'envoyais un message. Puis là, cette année, j'ai un petit peu de misère à maintenir ce rythme-là. Mais bon, écoutez, le souci est encore là de diffuser au maximum là, les trouvailles, des trucs, puis des avis sur l'usage des technologies. Mais c'est une pratique que l'on voit. Moi, je regarde, j'ai plusieurs collègues que je suis sur Twitter. Je ne suis pas comme toi avec un mandat de diffuser chaque jour, mais je me rends compte que lorsqu'il y a des événements et qu'il y a un hashtag de communication associé à l'événement, là, oui, je m'en fais un devoir et ça me permet aussi de conserver l'information. Donc, si je prends des photos, si je diffuse, si j'envoie le gazouillis qui est en lien avec une communication, ben, c'est aussi pour moi un moyen de le conserver et de pouvoir ensuite le republier à d'autres. Il y a comme une boucle qui se fait, là. Je participe à l'effort sur le moment, mais par après, je peux en faire quelque chose. Il y a quelque chose d'intéressant là aussi. Oui, en fait, il y a Steve Argadon qui mentionnait comme une des solutions à l'infobésité, le fait d'avoir trop d'informations, c'est d'en produire davantage. Et ça peut paraître contradictoire comme approche, mais l'idée est justement, elle rejoint ce que tu mentionnais, à l'effet que oui, tu reçois beaucoup d'informations, mais toi, tu en rediffuses avec un commentaire. Et l'information que tu rediffuses t'appartient et donc devient une de tes archives, de tes nombreuses archives, pour pouvoir ensuite de ça mieux gérer l'information. Exactement. Je vois que Mylène, je trouve ça comique, Mylène a dit, j'ai oublié que j'avais un Facebook de CP puis un compte Twitter pas activé. Mais c'est là qu'on se rend compte que lorsqu'on cherche à diffuser puis à rejoindre spécifiquement certaines personnes, si on n'utilise qu'un seul moyen, puis ça, je l'ai appris de toi, Stéphane, c'est qu'à un moment donné, il faut voir que si on n'est que sur Twitter, ben, il y a que les gens qui sont là qui vont recevoir l'information. Si on est sur Facebook, ça va être la même chose. Il faut se trouver des façons de semer ça un peu partout. Et il y a des outils qui nous aident. Lorsqu'on veut utiliser les médias sociaux, il y a des outils qui nous permettent, avec une seule publication, d'en faire plusieurs, là. Tout à fait. J'oublie le nom de la patente.
Il en existe deux, trois. Là. Il y a Hootsuite, puis il y a Buffer, qui sont deux applications qui permettent de multidiffuser, si je peux dire. Là. Donc, tu publies dans ce système-là, puis ça se diffuse dans trois, quatre, cinq, six réseaux sociaux différents. Que ça, on va le noter. Oui, Mylène, on va noter ça pour le diffuser après. Hootsuite, c'en est un que j'ai utilisé, j'ai trouvé vraiment génial, là. Oui, c'est ça. Moi, je disais que dans le fond, pas que c'est pas activé, mais que je produis pas. Je suis plus une consommatrice, mais je diffuse justement l'information que j'ai. Je l'envoie, je la partage. Ça, c'est plus sur Facebook CP. Sur Twitter, je produis absolument pas, là. C'est vraiment. J'ai même de la misère. Je me suis abonnée à plein de personnes, à plein de groupes, puis j'ai même pas le temps de toutes les regarder, malheureusement. Mais de temps en temps, faisant mon ménage, oups, il y a quelque chose qui m'attire davantage. Je vais aller le lire. Puis ah, des fois, oui, je le prends, je vais le partager sur Twitter, mais je vais aussi le prendre pour aller le partager sur mon compte Facebook CP. Puis au centre, on a aussi la page Facebook du centre et ce qui s'adresse aux élèves, ben je vais aussi en mettre, des fois c'est des stratégies, que des fois aussi je vais prendre sur Facebook ou je vais prendre sur Twitter, puis que j'amène là pour que les élèves puissent le voir parce que on le sait que Facebook passe encore. C'est plus tout à fait le réseau social qu'ils utilisent davantage. Ils sont plus sur les Instagram et Snapchat, et d'autres peut-être que je connais pas, là. Je ne suis pas nécessairement à jour, mais c'est ça. Fait que oui, ce côté-là est utilisé. Je ne sais pas à quel point les enseignants du centre sont sur ma page Facebook CP puis vont lire, là, mais je sais qu'il y en a qui sont abonnés, mais je ne sais pas s'ils vont de façon régulière, là. Fait que oui, j'ai ce petit côté-là, mais à temps partiel parce que c'est vraiment là, des fois un vendredi après-midi où là, je suis venue à bout de faire tout ce que j'avais à faire. Là, des fois, je me donne le droit d'y aller, là. J'aime la façon dont tu le présentes, Mylène, parce que tu dis je me donne le droit d'y aller et pourtant, ça fait partie aussi d'une façon d'aller chercher de l'information parce que si ta liste d'abonnés, Ah, tout à fait. non? Parce que, Oui, tout à fait, oui. tout à fait, parce que, mais c'est, tu sais, comme beaucoup de mes collègues, je suis toute seule pour toutes les matières. À un moment donné, c'est un choix, c'est les priorités, on en a déjà parlé. Oui. Donc, c'est ça. Puis malheureusement, ben, c'est pas nécessairement là la priorité parce que, justement, le flot Information. de personnes qui vont s'il est moins important. Fait que c'est pas là que je vais miser pour le moment, mais peut-être qu'à long terme, ça va devenir quelque chose où ce que ça va être vraiment utilisé. Là, on va mettre plus d'accent. Mais j'aime mieux développer davantage avec Teams pour nos rencontres d'équipe afin de rendre plus efficace, comme disait Stéphane, et plus Mais ce que je trouve Je me rappelle plus intéressant, l'autre terme qui a été dit. ce que je trouve intéressant, Mylène, dans ta façon de faire, quand tu dis je prends des choses sur Twitter et je le renvoie sur Facebook. Donc, moi, je m'alimente sur Twitter parce que je suis des personnes qui sont d'intérêt pour moi puis qui vont m'alimenter. Puis je prends ça puis je le remets où est-ce que les autres personnes que moi j'alimente, je sais où est-ce qu'ils sont. Donc, tu es capable de savoir où tu dois diffuser, puis où tu dois aller chercher l'information, ou en tout cas, il y a une des sources qui peut être les médias sociaux, mais dans différents médias sociaux pour différentes raisons. Parce que c'est vrai que la plupart des enseignants, moi j'ai très peu d'enseignants qui m'entourent qui sont sur Twitter. Si je veux Non, rejoindre c'est ça. les enseignants qui m'entourent, c'est pas en diffusant sur Twitter. Et il y a une nouveauté que En tout cas, pas Stéphane pourra confirmer avec moi, professionnellement. mais j'ai vu ça. Cette semaine, ben, je pense que c'est hier, maintenant, on peut enregistrer des lectures sur Twitter pour les réserver pour plus tard. Avant, il fallait comme Comme la sur Facebook. republier sur Twitter. Oui, mais ça, je dis comme Maintenant, sur Facebook. oui,
Comme sur Facebook. Facebook, effectivement, mais ça n'existait pas avant, puis ça posait un OK. problème parce que le fil de discussion, tu sais, c'est quelque chose qui est un fil, hein? Il fallait que tu, Oui. si tu l'avais manqué, pas sûr que tu allais la retrouver si tu ne te souvenais pas de qui l'avait publicisé. Fait que, il y a C'est quelque bon. chose d'intéressant parce qu'on ose, on parle de communication, là, on est sur les médias sociaux, mais même aller chercher de l'information en lecture. J'ai des collègues autour de moi qui se sentent mal lorsqu'ils sont au travail en train de lire un livre sur la pratique. Pour, tu sais, il y a comme quelque chose, on ne se donne pas le droit de le faire. Non, ça c'est, ben tu vois, ça c'est quelque chose dont on a parlé, je sais pas si c'est à la dernière rencontre, là, mais depuis ce temps-là, je me donne le droit de le faire, puis non seulement je me donne le droit, mais je m'oblige à le faire. C'est encore mieux. Super. C'est Michel, je te effectivement redonne la la dernière parole pour le rencontre. fil. Oui. Ben oui, on avait vraiment une dernière, un sujet, là. On a abordé ce sujet-là à la dernière rencontre, Mylène, puis je vois que Julie a écrit une question, là. Quel moyen utiliser selon une intention X de communiquer avec la grande diversité des outils disponibles, bien difficile de choisir le bon, hein. Puis je me permets de partager cette diapo-là qui vient d'une présentation qui a été réalisée par Stéphane Lavoie puis Patrick Beaupré à la rencontre des RSP. Qui explique en fait différentes méthodes de communication selon si on veut pousser l'information, pousser l'information, ça veut dire ce qui veut dire l'information est donnée, hein, donc c'est dans un seul sens, recevoir de l'information, donc le destinataire doit demander ou poser une action pour avoir l'information, et de manière interactive. Donc, par exemple, une infolettre, ben, on peut écrire à nos personnes sans qu'ils l'aient demandé, ou inviter les gens à venir consulter des informations qu'on a publiées sur un site web ou une page Facebook ou un fil Twitter ou tout ça, puis finalement avoir un échange d'informations bidirectionnel. Puis selon la situation, il y en a qui sont peut-être plus appropriés que d'autres. Je ne sais pas lequel bon, vous privilégieriez, si vous voyez, si vous utilisez vraiment ces trois méthodes de communication dans votre métier ou dans votre pratique, ou lequel vous privilégiez-vous, le push, le pull ou vraiment l'interactive? Il me semble. Puis peut-être que Stéphane peut nous éclairer sur ce qu'il voulait entendre par ça, là, si je ne l'ai pas bien expliqué. Là. Ben moi, je serais porté à te dire que ça rejoint la question de Julie, qui justement s'interroge sur quel outil utiliser selon l'intention, quel moyen utiliser selon l'intention. Eh bien, nécessairement, si je ne m'attends pas à avoir de feedback, je pourrais aller vers le push, qui est une méthode qui est très efficace pour diffuser de l'information. Mais j'ai peu de contrôle sur qu'est-ce que les destinataires font avec cette information-là. Où est-ce qu'elle se rend bien à destination? Est-ce qu'elle est bien lue? Est-ce qu'elle est bien interprétée? Ça, je n'ai pas cette dimension-là. Alors, selon mon intention, est-ce que c'est juste d'exposer une situation, une information, ou est-ce que je vais avoir un retour? Ben, selon l'intention, je vais plus aller vers un push ou vers de l'interactive, ou là, je vais te demander un feedback. Vas-y donc, Julie. En fait, ben moi, ce que je voulais rajouter, je pense que quand on veut vraiment sentir les gens, savoir est-ce qu'ils ont compris l'information, on est mieux d'aller vers l'interactivité, là. C'est ça qu'on a un retour, là. Tu sais, dans ce sens-là, peut-être, là, c'était mon questionnement ou ce que je voulais apporter de plus, là, par rapport au schéma. Donc, ça rejoint ton intention de savoir est-ce que tu vas avoir une rétroaction dans le schéma de communication que l'on présentait, Patrick et moi, là, il y avait une boucle de retour. Donc, si on veut avoir une rétroaction pour s'assurer de l'efficacité de la communication, à ce moment-là, on est mieux d'aller vers l'interactivité, effectivement. C'est certain que la boucle de rétroaction, on l'a vraiment quand on est en personne, ce qui peut nous amener à privilégier ce mode de communication-là. Une rétroaction immédiate, on voit la réaction corporelle, la réaction physique ou même verbale. Donc ça, c'est super intéressant. Puis pour ce qui est des outils numériques, il y a des moyens, hein, quand on parle de confirmation de courrier pour savoir si un courriel a été lu.
Ça peut donner déjà une information à ce sujet. La présentation de Stéphane et Patrick était super intéressante. En fait, elle portait sur la communication des enseignants auprès des élèves. Donc, comment les enseignants les Les utilisent, différents des outils. manières de. C'est ça. Quels sont les meilleurs outils de communication, les meilleures méthodes, les meilleures pratiques pour entrer en communication avec les élèves? Puis, si je peux me permettre, je pense que j'avais d'autres. Je peux vous partager Oui, il me semble d'autres images qui sont en lien. Oui, avec cette présentation-là. Entre autres, par rapport à justement l'intention. Si, juste faire du ménage, je vais réduire un petit peu la grosseur. Donc, ça ici. Donc, en plus des méthodes de communication, si on veut donner, recevoir ou avoir de l'interaction dans les informations, si on veut s'adresser à une personne, plusieurs, ou de manière segmentée, encore une fois, ça vient de la présentation de Stéphane. Tu m'excuseras si je massacre un peu de tout. Donc, effectivement, de masse, le bon vieux courriel, segmenté. Vous savez, petit secret, là, quand je vous écris un rappel là, hier, j'utilise le publipostage qui me permet de vous envoyer un courriel qui est personnalisé. Mais en réalité, j'envoie un courriel de masse. Donc, ça y est, le secret est dévoilé. Je ne vous ai pas écrit un courriel personnellement à tous, mais tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un courriel dans lequel j'ai inséré un champ qui permet de faire correspondre votre prénom à votre adresse courriel. J'ai été surpris depuis que j'utilise ce moyen de communication pour communiquer de manière massive, là, j'ai beaucoup plus de rétroaction parce que les gens se sentent davantage interpellés. Ils pensent que je leur ai écrit personnellement. Donc, je pourrais dire que c'est un de masse segmenté. C'est une formule hybride. De masse camouflée. C'est un petit vlimeux, là, que tu viens de décevoir, Mylène, là, tu vois. On est tous très déçus. On pensait que tu nous avais écrit hier soir à 5 heures, franchement. Chacun. Ce que je trouve intéressant avec les tableaux qui ont été préparés par Patrick et par Stéphane, c'est que ça montre aussi les questions qu'on doit se poser. Avant de poser le geste de choisir l'outil de communication, il y a peut-être un travail à faire pour la planifier pour qu'elle soit efficace. Tout à l'heure, dans le sondage, on a vu qu'on avait souvent une intention de communication efficace, mais on communique souvent très rapidement ou trop rapidement, puis on ne cible pas correctement le public. On s'adresse à qui et par quels moyens je dois le faire pour que ce soit le plus efficace possible. Ça rentre encore là dans la boucle de communication. On en a parlé, ça faisait l'objet d'un autre après-cours, mais dans notre tâche, si les choses sont un peu plus planifiées ou réfléchies, on gagne en efficacité. C'est sûr que ça demande du temps au début, c'est énergivore. Il va falloir y mettre un peu de temps, mais par la suite, on y gagne en efficacité. Il y a des endroits où est-ce que nos élèves sont, il y a des endroits où est-ce que nos enseignants sont, il y a des endroits où est-ce que je vais chercher de l'information, et si je la ramasse correctement, bien ensuite, je peux la rediffuser, l'archiver. Mylène nous dit, je vais écrire une courte procédure dans le document collaboratif. Très bonne idée. Merci, 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 Mylène. Non, non, Une autre c'est chose, document moi. collaboratif qui nous permet de conserver. C'est moi qui vais écrire. Je répondais à Mylène, en Ah, fait. OK. C'était Parfait. pour le postage. Ben, très bonne idée, Michel, finalement. Merci, Mylène, de proposer à Michel de le faire. Ouais. Mais il y a quelque chose de très intéressant avec le choix de l'outil parce que nos enseignants sont aussi avec des aisances qui sont différentes, sont à des lieux qui sont différents. Aujourd'hui, on revient
on utilise encore beaucoup le courriel, mais les environnements numériques de travail nous proposent d'autres façons, peut-être un peu plus efficaces, de rejoindre un ensemble de personnes avec un moyen qui s'apparente au courriel, parce que ça rentre souvent dans la boîte de courriel et c'est déguisé un peu comme le publipostage. Mais ça fait partie d'un environnement qui est un peu plus efficace et qui propose d'autres outils à l'intérieur de communication qui sont un peu plus actualisés. Bon, on peut introduire le chat dans les environnements numériques de travail qui sont des façons de communiquer qui s'apparentent à ce que l'on vit dans notre vie de tous les jours, là, en société. On utilise le téléphone, on utilise le chat à l'intérieur et ça devient un outil qui peut être un peu plus efficace que le bon vieux courriel, dans certains cas. Mais on doit quand même réfléchir toujours avec l'intention et le public. Tant qu'à être dans les diapositives de la présentation de Patrick et Stéphane, il y avait aussi une diapositive intéressante sur les clés de la communication efficace. Utiliser le bon canal. Par canal, on entend... on peut penser à Teams pour ceux qui l'ont expérimenté. On peut créer des canaux qui permettent d'avoir de regrouper ensemble des sujets. Donc, ça indexe les conversations selon le sujet, donc selon le canal. Réduire le bruit. Comme tout à l'heure, on a eu un exemple de, en fait, pas de bruit, mais plutôt de messages clairs, directs et simples. J'aurais pu écrire dans le chat. Peut-être que ça aurait évité la conclusion, mais à commercial, c'est juste pour l'exemple, mais Mylène, un peu comme on peut l'écrire dans Twitter, à commercial, Mylène, pour dire ben, que le message que j'écris s'adresse à Mylène. Hein? Bien sûr, y a pas, ça ne va pas expressément à Mylène, mais au moins le hat, ben, dire, signifie que c'est à cette personne-là que je m'adresse quand j'écris ce message. Puis, obtenir un accusé de réception, donc comme nous disions plus tôt, ça peut être intéressant là, dans les courriels d'aller cocher cette option, exiger une réponse ou un avis de réception. Est-ce que vous avez des trucs pour avoir une communication efficace? Je serais curieux. On en a quelques-uns ici, mais davantage peut-être... précis avec des exemples de communication efficace? Alors, je peux me lancer. On est comme discret. Hein? En fait, ben, c'est sûr que bon, c'est quelque chose, je pense, qu'on fait tout le monde. Là. Quand on est en mode direct, c'est sûr qu'on voit le non-verbal. Fait que quand on a vraiment des sujets plus délicats ou des formations, qu'on donne des formations, ben c'est sûr que de voir le non-verbal de l'autre, d'être à l'écoute beaucoup, d'aller sur son terrain. Des fois, on a à confronter des opinions, puis l'autre personne est vraiment contre, tu sais, pas d'accord avec nous, mais moi, j'ai comme pratiqué beaucoup ça, d'aller sur son terrain, puis de voir pourquoi la personne pense comme ça, puis ça a été intéressant, mais c'est sûr que là, c'est moins en lien avec l'éthique, mais plus en mode direct, là. Par rapport au TIC, ben c'est sûr que moi, quand c'est vraiment, bon, soit que c'est compliqué ou ça risque d'être interprété ou un sujet délicat, ben je vais vraiment choisir le direct, je vais appeler la personne, même je vais même privilégier des fois la rencontre en personne. Là. Mais ça, je pense qu'on le fait aussi là, de façon automatique. Là. C'est ça, mais dans le fond, moi, ce que j'ai à travailler, je pense que c'est plus un peu ce que c'est Stéphane qui me disait ça tout à l'heure, là, tu sais, de ne pas garder le savoir pour nous, mais de le retransmettre et de faire connaître. Ben moi, ça, c'est un défi que j'ai là, par rapport à ce que je reçois. Puis oui, j'en transmets, mais puis j'utilise souvent le courriel qui est un canal, mais là, c'est ça. Je veux développer autre chose que ça. Là. L'écoute active aussi, hein, parce que c'est comme Julie vient de parler, on pourrait reprendre, puis là on n'est pas dans l'éthique, là, juste reprendre ce que Julie a dit. Donc Julie, moi je suis d'accord avec toi, il faut chercher à innover, puis en personne également, on a une rétroaction immédiate, mais il faut parfois chercher à lorsque la situation le permet, disons, si ce n'est pas un sujet délicat qui demande d'être en personne, ben,
faut chercher le meilleur moyen pour atteindre la personne, puis que le message soit clair. Donc là, j'essaie de faire de l'écoute active, je reformule. Lorsque je t'écoutais, j'hochais de la tête. La caméra, la visioconférence permet ça, hein. Ça, c'est vraiment merveilleux. Sauf que parfois, bon, en visioconférence, on le sait, disons, si une réverbération, un retour de son ou une mauvaise connexion, ben à ce moment-là, on peut se parler un par-dessus l'autre. Donc, le téléphone demeure un autre excellent moyen de se parler vraiment en direct, puis qu'il n'y ait pas de bruit dans notre canal de communication, pour que ça soit clair, direct et simple. Claudia? Ben c'est pour revenir aussi sur ce que Julie disait, lorsqu'on voudrait avoir cette présence-là pour pouvoir lire à quelque part le non-verbal, puis qu'on ne peut pas avoir la rencontre en présence, il y a au moins tous les outils de visioconférence et il y en a une panoplie. On peut, là, si on a une difficulté avec un, faire basculer vers un autre, en avoir quelques-uns de réserve. Ils sont à peu près tous, pas équivalents, mais ils fonctionnent à peu près tous de façon similaire. Donc, l'aisance, lorsqu'on l'a développée avec VIA, si on s'en va vers Skype, on s'adapte assez facilement à Peer.in, même chose. Il y a quand même des façons de faire avec lesquelles on est capable de faire de l'accompagnement, du soutien, de la conseillance, malgré la distance, de plus en plus. Et ça met, comme je reviens toujours à ça met de la présence dans la distance. Et ça nous donne comme conseiller le fameux côté où est-ce qu'on voit si la personne a compris ou si on est en train de la perdre. Les enseignants vivent exactement la même affaire. On est presque tous des enseignants qui avons basculé vers la conseillance. Donc, il y a beaucoup de similarités, je pense, entre ce que l'on fait comme accompagnement et ce que l'on faisait comme enseignant avec nos élèves. Donc, il y a quelque chose là d'intéressant à reproduire. Mais les outils de communication à distance peuvent, je pense, être un peu plus utilisés pour nous permettre de faire ce lien-là. Et pour ce qui est de ce que tu disais, Julie, là, d'aller chercher, de faire plus de diffusion, présentement, est-ce que tu en fais et est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient encore des sites web, là? Parce que tout à l'heure, je voyais Mylène qui disait, ben moi, j'ai un Facebook de CP. Mais je n'ai pas entendu personne et je n'ai pas lu personne. Qui disait qu'il référençait un site web, là. Si ma mémoire est bonne, là, je ne l'ai pas lu tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui utilisent encore ce moyen-là pour diffuser de l'information? Donc, et si on s'en va avec ce que Stéphane nous disait tout à l'heure, ça, ce serait d'après moi du push, là. Donc, le site web, il envoie une information, puis on ne sait pas ce qui se passe après. Donc, Mylène, elle a dit non. Ah, j'étais correcte, Stéphane, dans mon. C'était du push, hein? Quand on diffuse sur un site web, c'est du pull, dans le sens où ça ne se rend pas jusqu'à l'utilisateur final. L'utilisateur final doit faire une opération pour se rendre à ton site web. Le push, c'est quand tu envoies chez le destinataire de l'information. Puis le pull, c'est quand le destinataire potentiel a une action à poser pour obtenir l'information. Il faut qu'il se rende chez vous pour avoir l'information. Donc, il va falloir que je Fait que toi, fréquente. tu le mets sur ta vitrine. Tu mets l'information sur ta vitrine, puis ceux qui veulent venir la voir, ta vitrine, ils viennent. Contrairement à une infolettre, où là, tu l'envoies dans la boîte de réception de la personne. Tu vois, j'avais vraiment inversé les deux. C'est bien, là, on fait la rétroaction et la correction parce que moi, j'inversais carrément pour moi, là, c'était moi qui poussais puis l'autre qui poulait. C'est l'inverse. Donc, toi, Stéphane, as-tu encore un site que tu alimentes? Bien sûr, Oui. on a le site web de FGA Montérégie qu'on alimente encore. Puis je travaille beaucoup dans mon portfolio numérique. Donc
J'écris beaucoup d'articles dans mon portfolio numérique, mais ce n'est pas nécessairement public. OK. Ça te permet d'archiver et ensuite de travailler des choses que tu vas redistribuer à différents endroits sous différentes intentions? Ben, considère-le comme un journal de bord. Je consigne plein d'apprentissages que je fais. Quand j'ai un article que je considère suffisamment abouti, que je trouve important, ben, lui, je le diffuse soit à certaines personnes ou je le rends public. Ça va dépendre de la situation. Mais ça me permet d'avoir à un endroit central l'information que je veux colliger d'abord pour moi, puis ensuite de ça, je décide si oui ou non je veux la diffuser et si je veux la diffuser à qui. C'est Oui, c'est intéressant. vrai, je te J'ai rejoins. écrit dans le chat le concept de distance transactionnelle. Pour avoir suivi un cours avec on pourrait dire un activiste là, ou une personne qui étudie beaucoup au sujet de la formation, lui, il appelle, qui se passe avec Internet, là, je ne veux pas dire formation à distance parce que lui, cette personne-là, bon, elle veut vraiment pas qu'on utilise le terme formation à distance parce que ce qu'on essaie de réduire, c'est la distance, justement. Et on devrait privilégier plutôt la formation en ligne. Hein? Puis, donc, c'est ça, il y a un concept de distance transactionnelle là, qui existe là, par rapport à ça, là, puis les outils qu'on utilise, c'est toujours pour essayer de réduire cette distance entre l'apprenant et celui qui enseigne, qui est intéressant. Puis peut-être qu'un jour, on n'utilisera plus le terme formation à distance, mais plutôt formation en ligne, puisqu'on tend de plus en plus à utiliser seulement Internet là, comme lieu de formation en ligne. Claudine, je vois l'heure qui avance. Es-tu d'accord pour Oui. on Ben, pourrait c'est pas avancer parce que à... c'est pas intéressant, mais on a juste une heure, Non. hein? Exactement. Donc, partage quelques lectures intéressantes. C'est le livre, d'abord, dans le livre Les 16-24 ans, l'éducation des adultes. Il y a un passage aux pages 112, 111 et 112 qui traite de la communication élève-enseignant. Il est notamment écrit là, que selon 98% des répondants d'un sondage, là, la communication avec une variété d'intervenants au sein du centre d'éducation des adultes, c'est vraiment un besoin hein, d'être capable de pouvoir communiquer avec par exemple, les services complémentaires, les services spécialisés disponibles. Ça peut être les orthopédagogues, conseillers d'orientation, psychologues. Puis des fois, c'est juste. Ça diffère, là, mais notamment pour partager l'information au sujet des apprenants. Donc, je vous invite vraiment à aller lire, je vais écrire la page en bas, page 111 et 112 de ce merveilleux livre que je vous conseille fortement. Il y a Mylène, oui? Mylène? Ben, je dirais que ça c'est une bonne lecture dans son ensemble là, pour bien comprendre la clientèle de 16-24, que ce soit pour les nouveaux qui arrivent ou bon, je dirais, j'ose dire les plus vieux qui disent ah, dans le temps, la formation des adultes, c'était pas ça. Mais bon, c'est la clientèle. Les 16-24 n'ont pas changé, sont peut-être juste un peu plus nombreux. Qu'avant, mais c'est une belle piste, c'est ça, ça parle des besoins. Les élèves eux-mêmes ont, à partir d'un sondage, d'une étude, nommé leurs besoins et les pistes d'intervention. Donc, les élèves ont eu la parole et c'est important d'entendre ce qu'ils ont manifesté. Tu sais. Donc, oui, l'enseignement individualisé répond à un de leurs besoins, mais ce n'est pas le seul besoin et ils le disent dans ce livre-là. Donc, c'est un bel ouvrage, vraiment à lire. On pourrait faire je lance l'idée comme ça, là, on a des rencontres de travail autour de ce livre-là pour discuter. Ça pourrait. Il y a du jus, hein, il y a de matière à discussion là-dedans. Puis Claudine, tu veux nous présenter celui qui est à la droite, là? Oui, moi, il est tout chaud, comme je disais à Michel, je l'ai reçu hier, donc vous comprendrez que j'en ai fait qu'une rapide
lecture, j'ai lu les gros titres des chapitres, mais j'ai vu, il y a plusieurs planches intéressantes. Et dans ce livre-là, qui s'adresse surtout à l'enseignant et sa classe, mais comme on vient en soutien aux enseignants et d'aller se chercher des outils pour les soutenir, pour améliorer leur enseignant, leur enseignement, ça peut passer par nous aussi se mettre aux mêmes lectures. J'y ai trouvé rapidement des outils qui peuvent s'adapter ou se rentrer dans notre pratique. Donc, dans ce livre, dès le début, on parle des environnements numériques de travail et on parle aussi des dispositions de classe pour favoriser plusieurs communications. Il y a beaucoup de il y a un chapitre où est-ce qu'on parle de la communication orale, comment disposer la classe qui peut avoir plusieurs fonctions. Donc, l'environnement flexible, c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup et on en parle dans ce livre-là. Donc, comment bien intégrer les technologies sans faire le coin nécessairement techno, mais comment y avoir une pensée sur cette façon de communiquer-là avec les élèves. Donc, nous, comme CP, on peut aider les enseignants à faire ces choix-là en fonction des compétences à développer des élèves. Il est tout récent, là, comme je vous disais, ben, c'est un 2017, hein, mais moi, il m'arrive tout récemment. Je le trouve intéressant. Il y a former une communauté d'apprentissage, ça fait partie des chapitres. Donc, il y a des choses à aller regarder. On pourra s'en reparler. La prochaine rencontre, je devrais l'avoir lu. Puis, on invite tout le monde aussi à s'inscrire à l'atelier que Claudine va donner à la KFGA sur les apprentissages flexibles, un peu de promotion hein, pour toi. Oui, venez vous amuser avec nous à la KFGA, c'est ça? Et moi, je fais du pouce sur ce que tu dis. Par contre, on devrait vous inviter à faire le même partage que l'on fait là, à chaque rencontre. On a toujours un ordre du jour dans le document collaboratif dans lequel il y a un picot, un point de forme sur le partage. Et vous pouvez l'alimenter entre les rencontres. Vous lisez quelque chose, vous avez le goût d'en parler avec la communauté. Vous pouvez en tout temps aller référencer le document et on va en parler lorsqu'on va se rencontrer. C'est le fun parce que faire ce genre de partage-là, c'est une des intentions des communautés. C'est qu'entre nous, on diffuse et on partage ce que l'on apprend et ce que l'on utilise et nos bons coups et nos besoins. Si on fait des demandes à la communauté, bien à la suivante communauté, on peut peut-être avoir des réponses que l'on va pouvoir partager ensemble. Mm-hmm. On peut terminer avec dans le partage, on avait quelques outils là, dont on a déjà un peu parlé, là, mais l'utilisation du texto également pour se rejoindre facilement, pour envoyer un texto avec son adresse courriel ou en utilisant service-remind.com. On sait que ce n'est pas tout le monde qui va voir ses courriels fréquemment, aussi fréquemment que son cellulaire. Donc, on peut utiliser le texto pour rejoindre tout le monde, les médias sociaux, Twitter, Facebook, etc., les sondages pour être à l'écoute des besoins. Appear-in, qui peut être pratique lorsqu'on veut communiquer avec une personne qui n'a pas nécessairement de compte associé à un service de visioconférence, comme Skype ou Teams, etc. Donc, c'est chaudement recommandé. Puis, je terminerai en vous rappelant que le 9 mai, de 13h30 à 14h30, aura lieu notre dernière rencontre de l'année 2017-2018, dont le thème sera « Uniformisation des pratiques au sein d'une commission scolaire ». Le thème prometteur, encore comme Claudine vient de le dire, nous vous invitons à aller déjà bonifier l'ordre du jour qui est déjà présent dans le document collaboratif. Puis d'ici là, il va y avoir quelques événements, notamment la COUPS, qui aura lieu au Québec du 27 au 29 mars, la KFGA du 19 et 20 avril, et le sommet des ressources numériques et de l'éducation les 3 et 4 mai. Il s'appelait autrefois le sommet de l'iPad et le sommet de l'éducation. Donc, ça change un nom. Exactement. Donc, la COAPS à Québec, à KFGA à Laval et le sommet des ressources numériques et de l'éducation à Montréal. Si vous avez le goût de voyager, inscrivez-vous comme CP.
JPM, Mylène, peux-tu m'en dire davantage? Les journées de la Montérégie, hein? Journée pédagogique montérégienne. Oui, c'est ça. C'est la journée pédagogique montérégienne le 27 avril. Donc, là aussi, je pense que le programme va sortir, je pense, au courant de la semaine prochaine. Peut-être que Stéphane peut confirmer ça, là, mais il me semble que c'est la semaine prochaine que ça va sortir. C'est là, Donc, le 27 avril. On aura beaucoup de partage à faire à la dernière rencontre sur ce qu'on aura vécu individuellement ou collectivement. Ça va être intéressant. Et, on remercie tous les gens qui se sont présentés aujourd'hui. Je pense qu'à la grandeur du Québec, c'était so-so comme condition. On sait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à la maison. Il y en a qui se sont branchés de la maison, les chanceux. Mais pour tous ceux qui étaient là, ça a été très, très agréable de jaser avec vous autres. Merci Stéphane.